Salut les manis, ici le mani de la Mani Family. Alors voilà, déjà je vous explique direct, je me suis encore fait fister par ce jeu, c'est n'importe quoi, je vous promets, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu un jeu qui me met autant de quenelles dans toute ma vie, c'est un truc de malade. Le mec, j'ai pas vécu encore longtemps, mais c'est pas grave. Alors, on commence déjà par le fait que nous ne sommes plus sur la même carte, bien qu'elle soit extrêmement similaire à l'ancienne. Par rapport au fait que devant j'ai ma mine d'argent, derrière j'ai mes blocs de coraux, et encore derrière j'ai mes vignes de liane. Voilà, mes vignes de liane, rien d'autre à dire là-dessus. Et que, en fait, en extrême, je n'avais pas fait gaffe, vous voyez bien que le bouton sauvegarder est désactivé. Je ne peux sauvegarder que si je sauvegarde et quitte. Et dans la première vidéo, en fait, à la fin de la partie, j'ai appuyé là-dessus, et je n'ai pas fait gaffe que ça n'a pas sauvegardé, et... Après, j'ai fait un retour bureau et j'ai quitté le jeu. Du coup, je me suis bien fait queneler. Donc, pour contrer tous... Il est bizarre, non ? Je me souviens, il n'était pas comme ça avant. Enfin, je sais pas. Pour contrer tout ça, j'ai dû recommencer en off, bien sûr. Je vous allais pas vous refaire une troisième épisode 1. Ça suffit, je pense. Et j'ai essayé de refaire au maximum tout ce que j'avais. C'est-à-dire, j'ai de nouveau mon Seaglide. J'ai mes deux tanks, mon couteau, mon assembleur qu'on avait fait en fin de vidéo. J'ai ma tenue anti-radiation. D'ailleurs, les palmes ne sont pas anti-radiation. J'avais pas fait gaffe dans la vidéo 1. Et en fait, c'est des palmes à part qu'il fallait faire. Donc, je les avais pas fait pour rien. Même si au final, si, vu que la partie n'a pas été sauvegardée. Mais c'est encore une autre histoire. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? J'ai à peu près le même. Les mêmes ressources. Hormis que je crois que le fragment de Simov je ne l'avais pas. J'ai toujours mes deux coffres du coup. J'ai refait deux coffres. Avec un peu plus d'or, oui. Et de nouveaux objets qui en fait n'y étaient pas avant la mise à jour. Surtout celui-ci, propulsion canon fragment, qui est à mettre aussi dans l'analyzer. Et qui est une propulsion canon. Que je ne sais pas à quoi il sert pour l'instant. J'ai aussi trouvé le terraformer. Faudra aussi que j'analyse, un peu d'argent, enfin... Globalement, c'est la même chose. Mais je me suis encore fait fister. Voilà. Tant pis. C'est pas grave, c'est reparti. Donc, dans la première vidéo, nous étions arrêtés sur l'assembleur. Cette chose-là. Qui va nous permettre de faire, vous l'avez compris déjà, une petite base. Alors, j'ai bien dit petite parce que... Étant donné que plus tard je compte avoir un cyclope qui peut être lui-même une base autosuffisante et tout ça, mais bon, c'est pas de suite. Et de toute façon, même si j'ai le cyclope, j'aurai plus tard une grosse bab. J'ai quelques projets dans la tête que vous verrez plus tard. Mais là, nous allons nous faire un petit coin sympa, manière d'être plus à l'aise que dans cette bicoque de 4 mètres carrés et demi. Donc voilà, il nous faut. Comme vous pouvez le voir, du titane, du titane, du titane, et encore du titane. Un peu de verre aussi, donc du quartz. Je vous rappelle que pour faire du verre, il faut deux quartz. Du titane, encore du titane, du verre pour des fenêtres, ce qui peut être plutôt sympa. Générateur électrique, toujours du titane, du titane, du titane et du verre. Et nous allons aussi faire, dans cette vidéo si possible, un analyseur de fragments... un analyseur de fragments qui faut kit de câblage, circuit intégré, ce qui est plutôt facile et pas facile à avoir. Donc nous allons voir ça. Déjà, on va commencer par faire des fondations, je pense. 2, 3, je ne sais pas. Nous verrons bien. Est-ce que j'ai... Normalement, j'ai dû quand même pas mal de titane en masse. Et puis c'est plutôt relativement facile à trouver, sans problème même. Je dirais même que c'est la chose la plus simple à trouver. Faut dire que les ressources sur ce jeu aussi sont plutôt simples. Hein. Du moment que vous connaissez leur spawn. D'ailleurs, je sais même pas si elles respawnent. Mais du moment que vous connaissez où les trouver. Ben, vous savez où les trouver. C'est plutôt facile de se fournir. Plutôt facile. Alors... dans celui-ci, j'ai rien apparemment. Est-ce que j'aurais pas du quartz là? Je vais prendre tout le quartz possible aussi. Je vais essayer de faire du verre le plus possible. Hop! Est-ce que j'ai du quartz là? Impeccable, j'ai un peu de quartz de côté aussi. Ça va me faire quelques verres.
Parce qu'il faut savoir que si on n'a pas d'écoutilles, nous ne pouvons pas rentrer. Et je vais vous montrer tout ça juste après. Désolé, je vous ai dit une connerie en plus. C'est pas 2 quartz pour faire du verre, c'est 3 quartz. Autant pour moi. Mani qui dit que des conneries. Mais enfin, c'est pas grave. On fait avec. Hop, on va ramasser ça au passage tant qu'on y est. La question c'est où nous installons-nous? Un coin plutôt passe, plutôt plat. Je vais arriver à le dire, ce serait plutôt sympa. Mais j'aime bien aussi l'originalité. J'aimerais peut-être être pas trop loin de lui. Surtout pas trop près de lui. Mais pas trop loin non plus. Oui, je sais, je suis compliqué. C'est la vie. Le Mani est exigeant. Le Mani est un homme exigeant. On va voir qu'est-ce qu'il y a par ici. Je ne sais pas trop. Oula. Pas trop s'approcher de là. On va se lag. C'est parti. Si je te prenais toi. Ces choses-là sont pas mauvaises à manger, donc on va en prendre une tant qu'à y être. Ben je pense que nous en avons là. Une petite plateforme. Il faut voir déjà combien de place prend une fondation. Voilà, ça avait bugué. Ah ouais, c'est quand même large, en fait. Je voyais ça plus petit. C'est quand même vraiment plutôt large. J'aimerais bien en aligner quelques-uns d'un côté de l'autre, si possible. Le Mani est un homme compliqué. Ici, ça m'a l'air pas trop mal, peut-être. Non, ou pas. Ou pas. Je pense que nous allons rester sur ici. On va dire... Je me demande en fait si ça écrase aussi la zone. Ici, allez, c'est parti. Le Mani se décide. Voilà. Hop, on va essayer d'en caler un autre derrière si possible. Impeccable, ça s'aligne tout seul en plus. C'est plutôt bien foutu. Voilà. On va essayer d'en caler un juste à sa droite. Voilà. Hop, non, pas là-bas. Non. Oh putain, j'ai appuyé quelque chose. Je suis encore en train de décéder. Voilà. Ça, je l'oublie à chaque fois depuis que je suis en hardcore maintenant. Étant donné que je ne vous rappelle, ça ne vous le dit plus. C'est fait exprès, c'est méchant. C'est fait pour vous tuer. Voilà. Alors, à partir de là, est-ce qu'il nous reste un peu de titane? Waouh. C'est un peu la dèche. C'est un peu la dèche, donc on va partir à la recherche de titane. Et on va prendre du quartz au passage. Le titane. Quartz. Voilà, là-dedans il y a quoi? 6 mof, je l'ai déjà. Je l'ai déjà, donc ça ne me sert pas. Le titane, il y en a là. Hop. Non, j'ai dit hop. Dans ma poche. Le mec, c'est un génie, je sais pas comment il fait, mais. Il transporte des morceaux de ferraille comme ça, sans problème. 6 mof, je l'ai. Pas mal de quartz aussi par ici, c'est plutôt sympa. Ferraille, quartz. Il y a des petites cavernes aussi que j'irai bien explorer après. Mais peut-être quand j'aurai quelques swings, parce que c'est un peu dangereux. On va prendre ça déjà. Étant donné que je suis en extrême, c'est un peu dangereux. Voyons voir. Et plus vite, petit Siglide, petite. Non, j'ai dit rentre. Voilà. Fabricateur. Il faut savoir que le fabricateur et compagnie, nous pourrons bien sûr le refaire dans la base. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je crois même qu'on peut le désassembler, si je dis pas de bêtises. Pour récupérer les matériaux afin de le refaire et tout. Je crois. On y retourne. Alors. Comment alors on organise ça? Je ne sais pas. Franchement, j'y ai pas réfléchi. Couloir en L, couloir en T, en X. Ouloulouloulou. Cette complication. Déjà, on va voir ça. Pourquoi il me le met dans ce sens? Est-ce
Parce que je pouvais pas l'avoir dans l'autre sens. Je suis trompé. Ah voilà, face à moi. Face à moi, mais plutôt face au bordel qui est là-bas. C'est-à-dire ici. Allez. On se lance. Ensuite, est-ce que je pourrais avoir... Mais ça... Est-ce que je pourrais avoir un couloir en... Oh non, 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 non. En quoi ? Couloir en T. Couloir en T, mais dans l'autre sens. Je vais pas y arriver, dis donc. Non. Tu veux pas me le donner dans l'autre sens, par là ? Juste-il comme ça, là ? Non ? Ah, ah, ah. Est-ce que c'est comme ça ? Bah, comme ça, c'est pas trop mal. Allez. Hop ! On va reprendre un peu d'air avant de mourir comme un abruti. Voilà. Ensuite, on va faire. Je sais plus ce que je voulais faire. Un autre couloir hanté, mais dans l'autre sens si possible. Ah, ah mais je l'avais. Couloir en X. C'est pas mal aussi. Allez hop. Couloir en X, puis un couloir tout court. Et j'aimerais bien qu'il me le cale en face. Voilà. Hop, une écoutille. On peut faire des écoutilles dessus apparemment aussi. C'est pas mal ça. Ça me plaît bien les écoutilles dessus. On va dire une écoutille ici. Non. Décidément. Et une écoutille ici. Hop. Alors apparemment les écoutilles ne se font que sur les couloirs principaux. Pas les couloirs en T, en X ou en quoi que ce soit. Vous voyez voir. De l'air. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt vaste. J'aime bien. Ça me semble bien comme ça. Puissance 0% comme vous voyez marqué en haut. J'ai voulu vous le montrer d'ailleurs mais... C'est vrai que la caméra monte. Il nous faut donc consolidation, renforce la coque. Elle est pas mal celle-là, tiens. Je ne savais pas que ça pouvait péter en fait. Générateur électrique titane x4. Il faut toujours plus de titane. Nous n'avons jamais assez de titane. Est-ce que j'aurais au moins pas de quoi faire un fabricateur par hasard? C'est où déjà? Fabricateur titane x2. Non. Décidément, je n'ai rien. Je n'ai que dalle. Alors, du titane. Du titane, du titane. Il faut savoir que je commence aussi à me manquer de soif. Et de faim. Hop. Il est où? Non. 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 Toujours aussi compliqué à attraper ces bordels. Faudrait qu'ils nous implantent un joli petit filet. Ce serait pas mal. Ah mais c'est parce que je suis plein. Ben non. Voilà. Ça va, c'est bien foutu quand même. C'est sur pilotis et tout. Je peux même me faufiler. Bip bip bip. À la Fast and Furious Tokyo Drift. Oui, bip 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 bip. Nickel. Je suis un ouf. Je suis un gueudin. Donc. Donc. Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Je sais plus. Mani l'oubli. Voilà. Mani l'oubli. Ah si, je sais. Du titane. Là. Un fragment, c'est quoi ça? Simov. Le Simov sera un des prochains objectifs aussi. Ce serait bien d'avoir un petit sous-marin calé. Afin d'aller explorer peut-être un peu plus vers là-bas. Sans se faire bouffer non plus. Ce serait pas mal. Alors. Titane, petit titane. Du piper. Il me faut du piper aussi. Un petit piper. Bien. Deux petits pipeurs. Un troisième, ce serait nickel. Troisième, impeccable. Là, apparemment, il y a un gros tube de corail. Je sais qu'il y en a un à peu près vers là-bas, que j'ai déjà exploré. Et là, il y en a un ici aussi, c'est plutôt pas mal. Et je vais pouvoir choper encore un titane. Là. Un titane. Olé. Et après, j'aimerais bien me prendre du quartz pour le verre. On va voir là-dedans. Ouais, il y en a pas mal, c'est cool.
Il y a quoi là? Mani exploration. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là? Ça devait être pour creuser le sable, j'imagine. C'est plutôt profond par là quand même. Nous allons remonter. Hop! Qu'avons-nous? Du titane, on n'a pas grand-chose, hein, mais du quartz, on en a pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter sinon au pire? Rien du tout. Nous ne pouvons rien jeter. C'est pas grave. Allons faire ce qu'on a déjà. Ce que nous avons. Hop! Esquive! À gauche, à droite. En attendant, ça m'a bien foutu les boules quand même, de tout recommencer. Franchement, honnêtement, j'étais bien chaud dans la première partie et ça m'a un peu foutu les boules. Mais c'est pas grave. Ça passe quand même. Faut vous dire, j'ai quand même eu une bonne partie sur celle-là aussi, donc ça va, ça a été vite réglé quand même. J'aurais eu une partie vraiment pourrie, honnêtement, ça m'aurait vraiment foutu les boules. Mais là, j'ai pas trop eu de problème. C'était plutôt vite fait même. Peut-être même plus vite fait que dans l'épisode. Peut-être. Je pourrais pas vous dire. Ça devait être un peu kiff-kiff. Donc beaucoup de verre, je vous rappelle, pour faire les fenêtres et compagnie. Hop. Petit écoutille sympatoque. Alors, maintenant, prenons ça. Nous allons commencer par faire... Ah ouais, le fabricateur. Le fabricateur, je ne sais pas où on le met, parce qu'il faut savoir, j'aurais bien aimé caler les armoires ici. Le fabricateur... Je pense que je vais le caler là. C'est pas mal, ça me plaît bien. Là, maintenant nous ressortons. Nous faisons un générateur électrique qu'il faut savoir que sans ça, eh ben, ça marche pas. On va le mettre là. C'est pas mal. Ça fait un turbo boost. Ah mon bordel. Ça rend plutôt bien. C'est cool. Là, normalement, le fabricateur, il marche. Voilà. Je peux même le démanteler. Donc je vais démanteler celui qui est en haut, sans doute. Là, je veux des armoires. Et il faut encore plus de titane. Toujours plus de titane. Les armoires, il faut savoir qu'il faut du titane et du verre. Donc, est-ce que je peux démanteler ce truc? Titane, j'ai ramassé deux titanes, d'accord. Je peux rien démanteler d'autre par hasard. Batterie, haute capacité. Je peux pas les récupérer celle-là, ce serait pourtant bien sympa. Mais apparemment, il veut pas. Là, je n'ai pas de titane. Mais tant pis. Tant pis, on va aller en chercher. On va aller en chercher un peu. Et je pense à récupérer ces trucs aussi. Il y en a un deuxième d'ailleurs qui est vide. Ça, il faut que je pense surtout à les récupérer. C'est très important. Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai été chercher des pipeurs et des air sacs, mais je n'ai pas fait d'eau ni cuir. Donc, bravo Mani, tu es très intelligent. J'ai tout oublié, ce qui était important. Comme d'habitude. Mani l'oublie. Putain. Nanana, on se balade. Comme d'habitude, je vous rappelle. C'est le principe de Subnautica. La balade sous-marine. L'exploration, la survie. Il faut dire que la survie, quand même, elle est pas trop compliquée actuellement. Je sais pas si c'est parce que je suis dans la zone... Je dirais neutre encore, mais je sais pas, je pense pas que ce soit bien différent là-bas aussi. Hein. Les mobs ne doivent pas être plus ou moins agressifs comme ceci. À part bien sûr le Léviathan. Mais le Léviathan, si vous avez la messe 6 mobs, je crois, vous êtes à l'abri. Donc ça ne change pas vraiment grand chose en fait. C'est surtout pas mal d'exploration, la beauté du décor. Parce qu'il est quand même plutôt beau hein, ce jeu, il y a pas à dire. Hein. Regardez-moi ça, c'est quand même bien foutu. C'est quand même bien foutu, moi j'aime bien. Là-dessus, j'ai rien à dire. J'aime bien.
Hop, je vous rappelle que nous faisons du titane pour faire des armoires. Que les armoires, il faut du titane. Je crois qu'on en a assez là. Et du verre. Si je dis pas de bêtises, il faut du titane et du verre. Voyons voir. Armoire, titane et verre. J'ai cru que je pouvais pas la mettre. On va essayer de la caler au max. Voilà, impeccable. Hop! Est-ce que je peux en faire une deuxième? Impeccable, je peux en faire une deuxième. Voilà. Faut savoir que j'ai un gros problème aussi. J'adore la symétrie. C'est un gros problème chez moi. Donc, s'il y a quelque chose à un endroit, faut qu'il soit à l'autre. Faut que ce soit parfaitement parfait. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Mes secrets sont dévoilés à jour. Voyons voir ça. Oula, mais c'est fat quand même, hein. Oh Fada, je pensais pas que ça serait autant quand même, c'est vraiment large. Hein. Celui-ci, ça doit être pareil. Waouh, 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 waouh. Ça fait la taille de mon inventaire en armoire. Ça, c'est juste parfait. Parfait, parfait. Allons récupérer les coffres. Ils se trouvent juste ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Je peux pas le... Comment ça, inventaire plein? Ah oui, c'est vrai que ça prend énormément de place. J'avais oublié aussi. J'avais oublié, donc ce qu'on va faire... Qu'est-ce que c'est ça? Il est déjà cassé le bordel? Non. Non, 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 non. Oui, je sais, je suis déshydraté, j'ai faim. Je me fais ça de suite, désolé. Hop, je vais enlever un tank. Je vais enlever le verre, le quartz, le reste je le garde. Je me fais à manger et à boire avant de mourir. Parce que ça, ça serait vraiment bête. Hop. Est-ce que j'ai encore à manger? Oui. Tant mieux. Encore. Oui, le garifiche. Je vais éviter de faire cuire l'air sac cette fois. Ça serait un peu bête quand même. Hop. Parce que ça sert plus à faire de l'eau. Que de la bouffe. Enfin, c'est plus efficace en tout cas. Je peux plus en faire. Hop. Ça on mange, ça on mange, ça on mange. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Impeccable. On est juste blindé. Ça par contre, ça m'inquiète. J'espère que ça va pas péter. Je crois qu'on peut faire un genre de réparateur quelque part. Peut-être là-dedans. Soudeuse. Pour réparer magnésium. Poudre écrasée et titane. Waouh. Magnésium, j'ai jamais vu ça. Est-ce que ça se fabrique? Magnésium, ah oui. Et poudre écrasée, comment on fait ça? Poudre écrasée. Ah, poudre écrasée, je crois que c'est dans les... Dans les sortes d'œufs d'aliens qui sont dans les... Dans les grottes. Faudrait qu'on aille voir. Dépôt de sel. Dépôt de sel, d'accord, ok. On va aller chercher ça les amis, on va réparer ça parce que ça m'inquiète un peu. J'ai pas du tout envie que ça me pète à la tronche. Non, vraiment, pas du tout. Des pots de sel, j'en ai pas. Peut-être là-haut. Peut-être là-haut, peut-être en bas. Je vais déjà tout transférer. Comme ça, je suis sûr que je vois tout en bas. J'en ai un ici, des pots de sel, c'est impeccable. C'est déjà un à moins à trouver. Hop, hop, hop. Hop, ça c'est bon. Il n'y a plus rien ici, normalement les petits coffres, il n'y a que celui-ci. Il y a des choses dedans. J'ai pas d'autres dépôts de sel, ça c'est dommage. J'ai pas mal d'or aussi, c'est impeccable. Plus tard je sais qu'il en faut quelques-uns. C'est pas trop trop facile à trouver, mais pas trop difficile non plus en fait. Ça dépendait si vous avez de la chance ou pas. Hop! C'est vraiment classe quand même. Y a pas à dire. C'est vraiment classe. Allez, tout le monde va là-bas. En plus, vu comme c'est grand le rangement, on peut ranger, ça se range tout seul. Sans problème. Donc ça, je garde. Un torche, je m'en fous. On voit quand même assez bien la nuit. Hop, la batterie haute capacité, on la range pour l'instant. On peut la rajouter, je vais vous montrer ça de suite. Bon, d'ailleurs, on va la mettre. On va la mettre. Là, voilà. On va la mettre. Je vais montrer ça de suite. En fait, comme vous voyez, sur le générateur électrique, il y a 6 emplacements. À la base, il y en a 2 depuis qui sont mis. Et nous,
pouvoir rajouter une autre. Comment fait-on? Change de canard. Tout droit pour lâcher. Je peux pas l'assigner à une touche? Non. Pourquoi je ne peux pas? Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est de la lâche. Bah non. Pourtant j'avais bien réussi la dernière fois. Mince alors. Bon, ben... Elle est où? Oui, ma batterie. J'ai remplacé la batterie. Les deux sont à 100%. Ah mince, je l'ai remplacée alors qu'elle était pas vide sans faire exprès. Du coup, je me suis fait carotte une batterie haute capacité pleine. D'accord, bon, ben c'est sympa. C'est... sympa de le dire. Je suis deck, sérieux. Je suis vraiment deck, c'est n'importe quoi. Ce jeu n'arrête pas de m'arnaquer. Mais vraiment. Nous allons essayer... de trouver du sel. Du sel, du sel, du sel. Quelque part. Vous savez quoi, les amis? Nous ferons la soudeuse dans le prochain épisode, étant donné que ça va prendre quand même un certain temps. Et j'ai pas envie de vous faire un épisode de 200 km non plus, et j'ai pas envie de couper non plus, parce que j'aimerais bien que vous voyez tout. Oula! Oh le con! Oh le con! Oh putain, c'est moi qui ai fait ça, j'y crois pas. Non. Non, mais je vais mourir si je reste là. Oh non, me dites pas que c'est moi qui ai fait ça avec mon couteau. Mais vous êtes sérieux? En attendant, du coup c'est super réaliste, j'y crois pas. Oh putain, j'y crois pas. C'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. Nous allons finir l'épisode là-dessus. Ma maison, c'est la ruine. La ruine du Mani. C'est de passer de la richesse de Mani à la ruine du Mani. Mais je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Et nous nous retrouvons dans l'épisode 3. Bientôt, pour réparer tout ça. Allez, ciao les Manis.